qu'on doit faire face à une urgence sur l'île au versant d'or. Oh, par la neige? Alors qu'ils sont sur une île tropicale? Oui, Alex et Monsieur Porter sont bloqués par la neige sur une montagne. Il faut les retrouver et les aider à descendre. Chien Robot, récupère le chasse-neige d'Everest, puis direction l'île. J'adore les raquettes que tu nous as fabriquées. On va jouer à quoi? Un jeu qui s'appelle « On descend à la plage ». C'est un espace ouvert et vaste. La patte patrouille nous y trouvera sans problème. Super! Moi d'abord! Wow! Regarde, papy! Je fais du ski! Sois prudent, Alex! Ouais! Oh non! À plus tard, l'alligator! Alex, il faut qu'on ralentisse un peu! Je ne crois pas que j'y arriverai, mais j'adore ce jeu! Oh, oh, on fonce vers une falaise! Ah! Lisière activée! Ryder, j'ai un visuel sur Alex et Monsieur Porter. Ils dévalent la montagne et on dirait qu'ils se dirigent vers une falaise vertigineuse! Everest, rejoins le pied de la falaise en chasse-neige et rassemble un gros tas de neige! Fonce! Bien reçu! Voilà un coussin bien moelleux et prêt juste à temps! Monsieur Porter, vous n'avez rien? J'ai adoré! On peut refaire un tour? Je vais vous amener à bord de l'air patrouilleur, vous y serez bien au chaud! Je ne pensais pas que le camping sous la neige pouvait être aussi chouette! Merci beaucoup à la patte patrouille et à toi! Il n'y a pas de quoi! Si vous avez une météo capricieuse, il suffit de nous appeler! Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef! Notre mission, trouver et arrêter Danny avant qu'il ne se blesse dans le canyon du skater. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Je suis parée au décollage. Et de toi, Chase. Chase est sur le coup. Super, la patte patrouille part en mission. Stella, préviens-nous quand tu auras retrouvé Danny. Reçu 5 sur 5. Captain Patron, Monsieur Sid, chef, vous feriez mieux de ralentir. Danny, stop! Bah, ce n'est pas Danny. À bientôt, je file. Ryder, Sid la ratisse a volé le skateboard de Danny. Je viens de la prendre. Quoi? Écoute-moi, Chase, va chercher Danny. Ce n'est pas lui qui fait du skateboard. Pas de problème. J'ai trouvé, c'est bon. Danny, arrête-toi. Je le vois, ça y est. Place au raccourci de l'extrême, chaud devant. Oh, oh, oh. Oh non! 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 Il faut que je le rattrape! Ouf! Filet! Ryder, Danny est sain et sauf, mais il est coincé en hauteur! Bien joué, Chase! Stella, il faut que tu évacues Danny avec ton hélico! De retour sur la terre ferme, Danny le Hardy! C'est Danny Hicks le Hardy! Merci pour ce sauvetage de haute voltige! Excellent travail, les amis! Mais où sont passés Sid et Artie? De faire du skateboard en pleine nuit. Mais que se passe-t-il? Ouais, je l'ai. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Madame Goodway, ça va? Danny le Hardy porte son costume d'oiseau et il vole bien trop haut. Un couple d'aigles s'est emparé de lui et il l'emporte je ne sais où. Si la caméra sur son casque est allumée, je parie qu'il diffuse ce qui se passe en direct. Je vérifie. Ici Falcon X le Hardy en direct de l'aventure aérienne la plus hallucinante jamais vécue. Il faut aller le tirer de là. Aucun oiseau n'est trop grand car mes amis, ils assurent. Voilà. Oh, ça c'est un atterrissage extrême. Ah, ça vient de faire tilt. Chers fans, mes moniteurs de vol super intrépides essayent d'apprendre à Falcon X le Hardy à voler. Désolé les grands oiseaux. Ah, ah, je décolle pas d'une plume. Oh, elle sent pas le petit coup de pouce. Hé, hey, je m'envole. Danny croit qu'il vole, mais en fait, il rebondit comme sur un trampoline. Il faut trouver un moyen de le prévenir, mais il nous entend pas. Ah, oh, je sais. Chase, remonte ton talkie-walkie secret jusqu'à Danny avec ton drone. Drone.
livraison du Tokiwaki est en cours. Trop cool! Je crois qu'il pleut des Tokiwaki. Je peux te rappeler plus tard. Tu tombes en plein milieu d'une leçon de vol. Danny, arrête de bouger, on vient te récupérer. Changement de plan, je veux plus voler. Au secours. Wow. Allez, mes ailes, portez-moi. À partir de maintenant, c'est moi qui gère. Merci pour ce sauvetage de haut vol, la Pat Patrouille. Y'a pas de quoi. Si tes balades dans le ciel deviennent un peu trop hardies, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Alex et Monsieur Porter se sont perdus dans un labyrinthe quelque part dans la jungle. Heureusement, Alex a dessiné un plan pour y aller et Mandy nous a apporté la carte. Tracker. Tu vas te servir de ton 4x4 et de ta Super Wii pour les retrouver. Chase. Ton drone va survoler la jungle pour chercher au milieu des feuillages. Parfait! La Pat Patrouille part en mission! Je crois que l'éléphant entend quelque chose. Oh, des moteurs! C'est la Pat Patrouille! Oh, il faut faire du bruit. Le bébé éléphant peut peut-être nous aider. Chen, écoutez, c'est vraiment curieux. J'entends un bébé éléphant, mais aussi deux autres voix. On dirait qu'elles font semblant d'être des bébés éléphants. Il faut qu'on aille vérifier. Génial, on a trouvé le labyrinthe. Tu crois que la Pat Patrouille a entendu nos barrissements? Oui, j'entends Alex. Bonne nouvelle, essayons de les retrouver. Regarde, papy, c'est le drone de Chase. On est sauvés, on est sauvés. Je les vois. Chase, Ryder, Tracker, on est là. Tracker, tu peux sortir Alex de là? Filin d'acier. Oh non, regardez, le bébé éléphant est toujours coincé sous les murs. Ruben, fais venir ton tractopelle jusqu'au labyrinthe. Ruben, mais toujours, d'accord. Soulever quelque chose de lourd? Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Des phénomènes étranges se produisent au musée. Nous devons percer le mystère. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ta lampe torche, tu partiras à la recherche d'indices. Chase est sur le coup. Super! La Pat Patrouille part en mission. C'est vraiment le bazar ici. De l'eau? Comment c'est possible? Quelqu'un a dû appuyer sur l'interrupteur. Regardez! Les flaques d'eau mènent à ce scaphandre. C'est la pieuvre, elle s'enfuit en courant. Elle s'enfuit en roulant plutôt. Stop! Arrête-toi! Vite, suivons cette pieuvre. Oh, elle se dirige vers l'eau. Je m'en occupe. Ouf, filet. Je te tiens. Hourra! Vous avez sauvé notre ami qui allait nager de longues heures dans les profondeurs de l'océan. Ah, j'ai l'impression qu'elle veut justement aller dans l'eau. Notre acolyte a l'intention de retourner dans son habitat naturel. Très bonne idée, capitaine. Et je sais à qui faire appel pour cette mission. Voilà les rochers pointus. Regarde, ma grande, on est presque arrivés. Wouf ! Visière. Bienvenue à la grande inauguration de notre exposition. Merci, la Pat Patrouille, car sans vous, on aurait été paralysés par la panique. Y a pas de quoi. Si une pieuvre doit être raccompagnée chez elle, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Vous êtes épatante, mademoiselle Marjorie. C'est gentil, merci beaucoup. Mais soyez prudente avec la torche. Nous en avons besoin pour allumer la grande flamme et débuter les championnats. Je ne voudrais pas glisser, trébucher ou...
Mademoiselle Marjorie, est-ce que tout va bien? Ah oui, ne vous en faites pas pour moi. En revanche, où est passé le flambeau? Oh non! C'est affreux! Messieurs, dames, dépêchons-nous! Bonjour, Madame Goodway. Vous êtes prête pour la cérémonie d'ouverture? Eh bien, je l'étais. Mais le parc est en train de prendre feu! Aucun parc ne va brûler, car mes amis, ils assurent! Merci beaucoup d'être venu si vite, la Pat Patrouille! Qu'en penses-tu, Marcus? Je ne vois aucune flamme à l'extérieur, donc je pense que ce sont les racines qui ont pris feu. Tout a commencé lorsque le flambeau est tombé dans un terrier de marmottes. Chase, utilise ta vision thermique! Les racines ont pris feu. Stella, j'aimerais que tu survoles la zone pour voir s'il y a de la fumée ailleurs. Elle! Marcus, Ryder, je vois de la fumée par ici. Stella a raison, je vois un deuxième incendie souterrain. D'autres racines ont dû prendre feu. Et les marmottes commencent à sortir de leur terrier. Leur terrier forme des galeries souterraines reliées entre elles. Il suffit d'arroser l'ensemble de ces galeries. Mais avant, nous devons faire sortir toutes les marmottes de leur maison. Par ici, venez, j'ai plein de bonnes friandises. Attends, marmotte en vue. Coucou toi, tu voulais nous aider à éteindre l'incendie, c'est ça? Dépêche-toi, Marcus! Accroche-toi! Il n'y a plus aucune trace de fumée! L'incendie est bel et bien éteint! C'est terminé! On a réussi! Bravo, les amis! Ouais! Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior! Oh, vous faites quoi, Monsieur Wingnut? C'est le TurboDisc 3000. Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancé. Il devrait revenir vers moi, non? Oh, arrêtez ce TurboDisc! Que s'est-il passé? Je ferais mieux d'appeler la Patte Patrouille. Oh, vous tombez à pic, les amis! Nous allons vous aider, Monsieur Porter! Marcus? Échelle! C'était moi une, merci beaucoup! Oh mince, j'ai oublié mon saut tout en haut! Ne vous en faites pas, je m'en occupe! Hein? Wow! Je vais bien! Soucoupe volante droit devant! Turbodisque a emporté Kali! Quelle est la solution? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la Grande Vallée. L'expert? Le chien robot! Attrape ce disque, chien robot! Chase, maintenant! Filet! On a réussi! Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior! Oh, quelle chance! À moi les super pouvoirs que j'ai toujours rêvé d'avoir! Je vais devenir le plus grand maire de tous les maires! Ah. Oh. Moi, Super Hellinger! Non! Chaton, revenez! Horatio, le train qui ramène les rarissimes tigres blancs dans leur jungle natale devrait passer d'une minute à l'autre. Oh, les voilà dans le dernier wagon. Oh, chaton. Grand chaton. Oh, chaton. Moi, ramène ami pour vous. Oh, mes chatons. Mon chaton! Oh! Monsieur Hellinger, arrêtez! Maintenant, à mon filet de jouer! Moi, attrapez chaton!
ravin. Un tigre, au secours, allez. Super filet. Vite, super tornade. Moi d'abord, moi. Oh, et maintenant, un tigre volant. Si jamais vos chats sont encore enlevés, faites-nous un petit miaou et on charrive. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte Patrouille au complet et Paris à l'action, chef. Madame Goodway et Fermier Hal ont sauté en parachute, mais le vent les a envoyés sur une corniche. Wow, cet endroit a l'air très dangereux. Et il y a un puma qui les observe. Pour cette mission, j'aurai besoin de... Stella. Wouf, prête pour un petit tour dans les airs. J'aurai aussi besoin de... l'agent Chase. Chase est sur le coup. Parfait, la Patte Patrouille part en mission. Voici ce que j'appelle une apparition rassurante. Allez, approche Galinetta. Attention, Galinetta! Je te tiens, ma cocotte. Merci, Stella. Et je reviendrai vite vous chercher, Madame Goodway. Le puma escalade en direction de Madame Goodway. Il faut la sortir de là de toute urgence. Ouf, tyrolienne. Ouf, mégaphone. Madame Goodway, servez-vous de ma tyrolienne pour descendre de la corniche. Je suis une vraie aventurière. Mais je ne suis pas assez courageuse pour affronter un puma. Piquez ce que Madame le maire fabrique. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Des petits pumas trop mignons. Ryder, il faut qu'on l'aide à descendre. Marcus, rejoins-nous sur la montagne. J'arrive tout de suite. Madame Goodway, accrochez-vous au bout de l'échelle. Oh, 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 s'il te plaît, ne monte pas sur l'échelle, c'est dangereux, mon petit chat. Oh. Rendons ce petit à sa maman. Bon travail, Marcus. Oui, Marcus, tu as été très courageux. Et aussi chaud que puissent être ces petits chatons, mon cœur en pince toujours pour les cocottes. Viens par ici, ma poulette. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. D'étranges papillons survolent la Grande Vallée en semant la panique sur leur passage. Ryder, les papillons ont l'air de venir de la forêt. En voilà un. Hey, ce sont des papillons monarques. Ils suivent en général un papillon de couleur plus foncée qui leur sert de guide pour trouver de la nourriture. Sans leur guide, les autres papillons pourraient ne pas trouver leur nourriture. Reçu 5 sur 5, Ryder. Je vais essayer de repérer le papillon qui mène la danse. Il faudrait que les papillons monarques suivent leur éclaireur. Oh, je sais! Chien robot, retourne au point de rassemblement. Stella, survole les lieux et localise d'autres arbustes. Bien reçu! Rocky, on va avoir besoin de ton camion. Toujours prêt à aider. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Zuma, tu es le papillon éclaireur. J'ai équipé ta médaille pour qu'elle émette les mêmes sons que les papillons. En avant, pas de papillons! On a des papillons monarques à déplacer! Stella, as-tu trouvé ce que nous recherchons? Affirmatif, Ryder. Et pas qu'un peu, il y en a des dizaines. Très loin de la vallée. Génial, je t'envoie toute l'équipe ainsi qu'une ribambelle de papillons. Marcus, j'ai l'impression qu'on en a perdu en route. Je vais vérifier. Allez, vous êtes presque arrivés. Vous allez pouvoir vous reposer un peu plus loin. Travail, les amis. Grâce à vous, les papillons ont trouvé à manger. Et nous, on rentre à la Grande Vallée. Vas-y, mon grand. Je t'accompagne jusque chez toi. La moto patrouille est parée à l'action, chef. Même s'il manque Chase. C'est pour ça que vous êtes là. On doit retrouver notre coéquipier. On va le retrouver. Je peux faire quelque chose? Bien sûr, Chascadeur. On va avoir besoin de ton expérience de pilote cascadeur pour arpenter les routes étroites des canyons. Ah, merci, Ryder. Allons-y, la Patte Patrouille part en mission. Tout le monde va bien? Tu nous as emmenés dans cette grotte, alors fais-nous sortir. Je le ferais si je pouvais, mais j'ai vraiment besoin du reste de la moto patrouille. Ah, tchoum.
Je l'ai encore entendu. On aurait dit que le son venait d'ici. Ouf, belle. Chasse-cadeur. Non, ne t'approche pas trop. Je ne veux pas que tu éternues encore plus. Ce n'est pas de ta faute, chasse-cadeur. On sera toujours amis, promis. Ces chiens se prennent pour les meilleurs. Mais si tu fabriquais des engins chouettes comme celui-là, nous aussi on serait des sauveteurs et on pourrait semer sauvagement la pagaille. Wouhou ! Je veux dire, allez ! Chase, porte secours au pilote. Chasse-cadeur, récupère l'avion. Compris, Ryder. Ça, c'est du beau travail d'équipe. Je vais bricoler quelque chose pour t'éviter d'éternuer. Ton nouveau casque a l'air très efficace. Je l'ai amélioré en ajoutant un filtre qui empêchera Chase d'éternuer à chaque fois qu'il portera son casque. Merci, Ryder. Si tes éternuements te créent des problèmes, tu n'as qu'à faire atchoum pour nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet, parée à l'action, chef. Les championnats risquent de tourner à la catastrophe car toutes les médailles ont disparu. Ça pour un mystère, c'est un mystère. Pour cette mission, nous devons rechercher activement les médailles. J'ai donc besoin d'une équipe composée des meilleurs policiers et menée par notre expert, Chase. Compte sur moi. La Pat Patrouille part en mission. Vite, nous devons à tout prix retrouver ces médailles. Rocky, repère les empreintes avec ton scanner. Entendu. Aucune trace pour l'instant. Du nouveau, Marcus? Je vois plein de pétales de fleurs tout autour du pupitre. J'ai peut-être une piste. Il faut que tu viennes voir ça. Vas-y, grimpe. Là où étaient les médailles? Des poils de chat. Mais il n'y a aucune trace de pattes dans le sable. C'est parce qu'ils ont utilisé un appareil pour filer à toute vitesse dans le ciel. C'est pour ça que les pétales sont tombés des fleurs. Mais comment on va rattraper ces chatons volants et voleurs? J'ai une idée. Allez les chercher. Stop et bats les pattes. Oh. Oh. Donnez-nous toutes ces médailles. Non, elles sont à moi. À moi, à moi, à moi. Oh. Oh oh. Ah. Allons sauver Monsieur Ellinger. Stella, suis-le depuis les airs. Entendu. J'ai l'impression qu'il fonce vers un mur de rocher. Oh. Filet. Oh, j'ai eu chaud. Très bien. Donnez-moi mes médailles maintenant. Désolé, mais elles seront décernées à ceux qui les méritent. Un grand merci à Chase et à toute la Pat Patrouille. Avec grand plaisir. Si vos médailles disparaissent, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet, paré à l'action, chef. Notre mission se situe à la montagne de Jake et nous devons faire vite, car Oncle Otis ne parvient pas à arrêter son wagonnet. Alex ! Nous allons devoir l'aider à le stopper avant qu'il ne s'écrase. Pour cette mission, j'ai besoin d'Everest. En utilisant ton chasse-neige et en actionnant le grappin à bois, cela te permettra d'extraire Otis. Ruben ! Il se peut que dans sa course, le wagonnet endommage le chalet d'Otis. Donc, à l'aide de ta pelle, tu formeras un énorme tas de terre pour faire un barrage. Il est là, à quelques mètres. Grappin à bois. La Pat Patrouille. Et voilà. Au rattrapage, Everest. Je vous en prie, ma pépite. Rattrapez-la. Ruben, est-ce que tu pourrais tracter le wagonnet? Pour Ruben, ce n'est pas un problème. Je croise les pattes. Pépite. Oh, oh, Everest. Attention, la pépite redescend. Ma pépite, elle revient. Elle va nous écraser si on ne bouge pas. Marcus, rendez-vous sur les berges au pied de la montagne. Accrochez-vous. C'est bon, ça a marché. Mais c'est au tour de la famille Castor d'être en danger. Dépêche-toi, Marcus. Il faut que tu inondes la terre avec ton canon à eau. Sur une grande largeur, la boue stoppera la pépite. C'est parti.
Je remercie du fond du cœur la Pat Patrouille d'avoir sauvé la chose la plus précieuse au monde. Vous parlez de la pépite? Non, je vous parle de mon nouvel ami et de sa petite famille. Pat Patrouille au complet est prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. L'étal de fruits de Monsieur Porter a roulé jusque sur la route. Oh non! Donc il est coincé parmi les voitures. Quoi? En plein milieu de la circulation? Il faut l'aider, c'est extrêmement dangereux. Ça, tu l'as dit. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ton mégaphone et tes cônes de signalisation, tu vas dévier les voitures pendant qu'on aide Monsieur Porter. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Tu vas remettre l'étal de fruits à sa place avec ton bulldozer. Ruben, mais toujours la gomme! Génial! La Pat Patrouille part en mission! Je suis là, Ryder! On arrive, Monsieur Porter! Chase? Je suis sur le coup! Cône de signalisation! Mégaphone! Merci de suivre les cônes et de tourner par ici! Ouf! Merci, Ryder. Ce n'est rien, Monsieur Porter. Tu es prêt, Ruben? Je suis prêt. Il vaut mieux que je ramasse ces pommes avant que les voitures ne les réduisent en compote. De la compote. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Naviguant sur la mer de sable des pirates, on sera. Et si on trouve un trésor, on partagera en trois. Le chercheur de trésors suit le vent, cherche encore. Yo-ho! Ryder, je suis tellement heureuse de vous voir. Les enfants ont disparu. Nous allons les retrouver. Cette manche à air indique la direction exacte du vent. Une fois que l'on connaîtra la direction, Zuma utilisera ses talents de navigateur pour les retrouver. Grand temps de lever l'ancre. Suivez-moi. Oh oh, notre navire s'est échoué. Oh non, la voile. Que tout le monde s'accroche au mât et vite. Accroche-toi à moi, Moussaillon Galinetta. Oh, comment allons-nous redescendre? Je ne sais pas du tout. Ryder, j'ai trouvé leur chariot. Les pirates sont là-haut. Wow, comment ont-ils fait pour grimper? Et comment allons-nous faire pour grimper? C'est parti. Justina, à toi l'honneur. Je sais, Galinetta, moi aussi j'ai la chair de poule, mais ça va aller. Le vent souffle de plus en plus fort et les rochers n'arrêtent pas de bouger. Oui, tu as raison. Éloigne-toi, c'est plus prudent. Ouf! Tyrolienne! Vous êtes prêts pour un petit tour de manège? Galinetta est folle d'impatience, tout comme moi. Merci, Ryder. Grâce à toi, tout notre équipage est sain et sauf. Dès que vos mini-pirates se perdent dans une mer de sable, faites pour nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Ryder, heureusement que tu es là. On ne sait pas où nos petites chèvres sont allées. On va les retrouver et réparer la barrière de l'enclos. Hein, Rocky? Oui. Tournevis. Et voilà, l'enclos est réparé. En route. Bonjour, Madame Goodway, tout va bien? Les petits biquets de Yumi ont fait des trous dans ma serviette de plage! On vient tout de suite! Les amis, les chèvres sont sur la plage, on va devoir les regrouper. Bien sûr! Par ici, les petits biquets! Ils ont sauté sur le radeau! Chouette! Mais qui est aux commandes? Le radeau a été emporté par l'eau! Mais ça n'arrive pas à un bon moment! Madame Goodway m'a dit qu'elle avait vu mes chèvres. Mais où sont-elles? On peut dire qu'elles ont pris le large. Oh! Zuma, un sauvetage en mer s'impose. Prêt à plonger dans l'action. Ah!
faut trouver un moyen de les rapprocher les uns des autres. Oh, la chèvre qui court, c'est la posture de yoga. Courez mes petits biquets. Vous courez drôlement bien. Continuez, moi je vous pousse vers la plage. Merci, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Quand vos petits biquets font un tour de radeau, il suffit de nous appeler. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de piquer un petit somme. Chevalier au complet et paré à l'action, messire. Braise a craché de la glace sur la tour de l'horloge. La princesse et le comte sont coincés à l'intérieur. Braise est vraiment fort. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Et Stella? Prête pour un décollage chevaleresque. Super! Les chevaliers partent en mission. Sois prudent, le sol glisse énormément. Wow. Chalumeau. Allô, Ryder? Ici Stella, je les ai retrouvés. Jamais de la vie! À toi, Braise! Mange! C'était un atterrissage périlleux! Et un accueil très chaleureux! Bonjour, bébé dragon! Ils se sont enfuis, Ryder! Mais je sais pourquoi Braise crache de la glace! C'est parce qu'il mange des guimauves bleues! Merci beaucoup, Stella. Et ton hélicoptère? Ne t'inquiète pas. Mes nouveaux amis sont là pour m'aider. Eh ben, ils ont l'air de t'adorer. Est-ce que tout se passe bien, Rocky? Oui, très bien. Bon travail. Bravo, nous sommes libres. Bon, je vais quand même pouvoir recouvrir le château de glace. Maintenant, rentrons vite au château pour nous réchauffer. Qui finit bien. La glace a disparu et l'horloge continuera d'afficher l'heure. Tout cela, c'est grâce à vous, cher chevalier. Avec plaisir, votre majesté. Si jamais vous avez besoin d'aide, il suffit de... pour nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. À l'abordage du Patte Patrouilleur des mers. Oui. Vite aux commandes et prenons la poudre d'escampette. Enfin, dès que j'aurai trouvé le bouton pour démarrer. Ah, ce voyageur robotisé doit rester enfermé dans les cales. Le passager embarqué en cachette est enfermé dans la cage secrète. À ton avis, lequel de ces boutons? Nom d'une jambe de bois, nous avons levé l'ancre. As-tu retrouvé la trace de notre bateau? Non, pas encore, Ryder. Et en plus, j'ai perdu Marcus en cours de route. Mince alors. J'essaie de le contacter. Marcus, tu m'entends? Ici Ryder, où es-tu? Tu es là? Aucune réponse. À mon avis, il n'a pas son badge. Oh, c'est le butin parfait pour inaugurer mon très beau coffre au trésor. Tu es là? Ouais. Voilà le plan. Tu te caches derrière ce tonneau et moi j'éloigne Sid de la cabine de pilotage. Reprends le contrôle du bateau dès que la voie sera libre. Le Dalmatien? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Canon à eau! J'ai un souci avec mes canons à eau. Impossible de les éteindre. Ah, alors je vais t'aider. Patrouilleur des mers! Parfait, ça va être à nous. Et maintenant, je passe en mode aérien. Éteins-moi ces canons à eau! Nom d'une chambre de bois! Sid Laratis, nous venons récupérer ce qui nous appartient. Ryder, si tu savais comme je suis contente de te voir. Patrouille au complet et paré à l'action, chef! La piste de danse de Monsieur Wingnut flotte beaucoup trop haut. On doit aider les personnes prises au piège à redescendre. Comme on doit sauver plein de danseurs et que la piste est immense, j'ai besoin de l'équipe au grand complet. Entendu! C'est parti! Compte sur nous! Super! La patte patrouille part en mission! On doit maintenir la piste en équilibre, les amis! Tenez bon! On va vous sauver!
Les amis, rassurez-vous, moi aussi je suis capable de mener la danse. Oh, je parlais pas de cette danse-là. Comme je suis sûr d'avoir gagné, je peux me décerner le trophée du concours. Désolé, mais le trophée ne sera remis au vainqueur qu'à la fin du concert, monsieur Ellinger. Mais vous avez votre emploi du temps et moi j'ai le mien. Je crois que c'est réparé. Wow, Ryder, que se passe-t-il? La radiocommande a réactivé les propulseurs. Mais maintenant, on fonce vers la mer. Chien robot, mets-toi au-dessus de la piste et envoie-nous les crochets. Les amis, insérez les crochets dans les piliers. Vas-y, éteins les propulseurs, Rocky. Bien reçu. Et voilà. Youpi. J'ai l'honneur de décerner le trophée à la Patte Patrouille. Ils ont exécuté la meilleure chorégraphie de toute la soirée. Merci de nous avoir sauvés. Y'a pas de quoi. Si jamais votre piste de danse se met à danser, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait vite, les amis. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que Madame Goodway conduise une moto hors de contrôle parmi les chiens sauvages. Galinetta ! Ça a l'air extrêmement dangereux. Alors pour cette mission, je vais désigner Stella. Tu vas te servir de ta moto volante pour immobiliser Madame Goodway. Je suis parée au démarrage et au décollage. Allons-y, la moto patrouille part en mission. Alors, je fais partie de votre club maintenant? Personne n'intègre cette meute sans réussir l'épreuve de la boule d'acier. Alors, Crapule, entrez dans la boule et montrez-nous comme vous êtes méchante. D'accord. Galinetta, tu es prête pour la cascade? Ryder, Madame Goodway conduit une moto à l'intérieur d'une boule d'acier géante. Je vais avoir besoin de l'équipe au grand complet pour arrêter cette boule. On arrive tout de suite, Ryder. Ruben, utilise ta pelle pour former une colline là-bas. Ruben, mets toujours la gomme, même à moto. On a réussi! Tout va bien, Madame Goodway? Oui, ça va, merci. Galinetta a commencé à avoir le tournis. Oh, Ryder, je vous suis très reconnaissante à la moto-patrouille, à Chascadeur et à toi de nous avoir secourus, Galinetta et moi. Et merci de m'avoir fait entendre raison. De rien, Madame le maire. Si vous avez des ennuis avec les chiens sauvages, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte Patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'être venu aussi vite. Monsieur Ellinger est venu avec son camion poubelle un peu spécial, le camion Poubellinger. Une mouette est entrée à l'intérieur et a déréglé tout le programme. Maintenant, le camion sème des déchets dans toute la ville. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs. Et aussi de Rocky. Recycler, c'est bien joué. Parfait! La Patte Patrouille part en mission! Je n'en reviens pas! Le camion a semé des cubes jusqu'ici! On va les ramasser grâce à ceci! Quel camion impressionnant! Regarde un peu ça! Ça, on peut dire que c'est du surcyclage. C'était usagé et on l'a transformé. Ryder, j'ai trouvé le camion Poubellinger. Où est-il? À la sortie de la ville, il se dirige vers un pont basculant et il est en train de s'ouvrir. Les deux côtés du pont sont levés. Mais comment on va accéder au camion? Tous ces tubes de déchets nous bloquent le passage. Fonction surcyclage à la rescousse. J'ai compris ce que tu fais et c'est très malin. Et voilà, on a fini.
attraper ce camion. Je te tiens. Wouhou! Bravo, tu t'es surpassé, Rocky. Oh, merci de nous avoir sauvé la mise, chère Pat Patrouille. Avec plaisir. Si vous êtes envahi par les déchets du camion Poubellinger, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Alex est coincé dans un barrage de castors. Oups. À cause de cette barrière, le saumon ne peut pas nager vers la mer. Mais impossible de le détruire car c'est la maison des castors. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Mais aussi de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme. Super, la Pat Patrouille part en mission. T'as vu ça, Sourire? C'est la Pat Patrouille. Stella, il faut que tu viennes sauver Alex et Sourire au plus vite. Reçu 5 sur 5. Ruben, va creuser une tranchée le long du fleuve pendant ce temps. L'eau coulera dedans et le saumon pourra rejoindre la mer. D'accord. Ça y est, on est prêt. Un grand bravo, Stella. Les travaux avancent bien, Ruben? Ça prend du temps. Regardez. Oh, le saumon n'est plus tout seul maintenant. Ses amis sont là aussi. Il faut à tout prix qu'il passe de l'autre côté du barrage. Désolé, mais je ne suis pas prêt de terminer cette tranchée. C'est pas grave, Ruben. On s'attendait pas à ce que les poissons arrivent aussi vite. Si cette barricade de branches avait été moins haute, les saumons auraient pu sauter par-dessus. Il suffit qu'ils sautent encore plus haut. Si vous voulez vous amuser, venez par là, mes merveilleux amis. Super propulseur de poisson nous permettra de résoudre en deux temps, trois mouvements les prochains problèmes de barrage. Oh, merci, la Pat Patrouille. Il n'y a pas de quoi, Capitaine Turbo. Si jamais vos saumons sont coincés, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Pat Patrouille des mers au complet et paré à l'action, commandant. François et le Capitaine Turbo sont coincés au fin fond des profondeurs. Wow! Les baleines sont douces en général. Je n'en ai jamais vu qui agissent de cette façon. Moi non plus. Quelque chose doit la perturber. Mais d'abord, il faut qu'on aide les turbos. Et pour cette mission, j'ai besoin de Zuma. Tu vas distraire la baleine et l'éloigner de la cloche de plongée. Et Ruben, tu utiliseras ton engin pour remettre la cloche dans le bon sens. Hurrah! Les renforts sont là! La baleine est là, elle aussi! Zuma, essaie d'attirer la baleine ailleurs. Hé, hey, la baleine, tu veux jouer à chat? Je parie que tu m'attraperas pas. Ok, Ruben, tu vas pouvoir y aller. Oh, merci, Ruben, content d'être à l'endroit. Allez, on décolle. Hé, hey, elle est passée où, la baleine? Ah, la voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ryder, il y a un souci avec la baleine. Elle n'arrête pas de se frotter la mâchoire. Tu peux aller voir de plus près? Ça y est, je vois ce qui la gêne. Elle a quelque chose coincé entre les dents. Rocky, allons aider Zuma à s'occuper de ses grosses dents. Regardez, elle a une branche coincée entre les dents. Il faut vite qu'on trouve un moyen de la soulager efficacement. Je m'en occupe, Ryder. Génial, la corde de taboué. Excellente idée. Ouvre bien grand maintenant. On a réussi. Super travail d'équipe, les amis. Et si jamais t'as un autre problème dentaire, n'hésite pas à nous appeler. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Le super secoueur s'est mis à dysfonctionner et a presque renversé leur silo. Oh là là. Oh non. On doit remettre le silo en place et arrêter le super secoueur. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme. Et de Chase. Chase est sur le coup. Parfait, la Pat Patrouille part en mission. Ouf, merci beaucoup, Ryder. Oh, je suis vraiment soulagé. Mais le super secoueur est toujours en vadrouille. Il est parti dans cette direction. Vite, il faut l'arrêter. En route, les amis. Oh. Oui! Ryder,
Alex est aux commandes du super secoueur. On va ramener Alex sain et sauf. Stella, Marcus, le super secoueur se dirige vers vous. Bien reçu, Ryder, s'en occupe. Stella. Tiens-toi bien, Alex. Je te remonte. Wow, wow, ce véhicule peut voler. Je veux monter dans un manège comme ça pour mon anniversaire. Belle prise, Stella. À toi de jouer, Marcus. Sors Alex du véhicule. Échec. Tu peux descendre, Alex. Oui. On va bien. Marcus, éteins le super secoueur. Ouf, tu peux me poser au sol, Stella. Merci d'avoir porté secours à Alex, la patte patrouille. Si jamais vous vous sentez secoué, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait si vite, les amis. Amy et Eddie sont allés à la ferme, mais ils n'ont pas l'habitude des animaux. Oh, le coup ! Quelque chose a dû leur faire peur, car ils se sont enfuis. Il faut les retrouver avant qu'ils ne se perdent dans la forêt. Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. J'ai aussi besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme. Super ! La patte patrouille part en mission. Je les vois, Ryder. Je vais les arrêter. Ouf, mégaphone. Tout doux, Gabi. Tout doux, Bettina. Pas de panique. Venez par ici. Oui, c'est bien, les amis. Bravo. Bon travail, Chase. Ruben va leur construire un enclos. Ruben met toujours la garde. Super, les amis. Maintenant, rattrapons Eddie et Amy et voyons si tout va bien. Regarde, il y a une bestiole toute poilue. Je l'adore. Et là, il y a une autre bestiole rigolote. Oh non, ça ressemble aux bêtes qui vivent la tête en bas dans les grottes. Ce sont des chauves-souris. Je vois rien du tout. Ils sont là! Aide-les à remonter! Troy! Eddie, Amy, accrochez-vous! Chase va vous aider à remonter! Troy, enroulement! Oh oui! Merci pour ce sauvetage! Eh bien, il est de mon devoir de vous remercier, la patte patrouille! Si des enfants et des chatons ont besoin d'aide, il suffit de nous appeler! Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior! Ryder, j'ai découvert la présence d'un nouveau volcan sous-marin. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes un peu trop près. La cloche de plongée est coincée dans le cratère et la lave va remonter d'une seconde à l'autre. Au secours ! Madame Goodway, vous devez absolument sortir de l'eau et vite. Une éruption volcanique est en train de se préparer. Oh ! Galinetta ? Où est-elle passée ? Je m'occupe de la retrouver, promis juré. C'est dangereux de rester. Remontez à la surface. Très bien. Je compte sur toi, Marcus. François, Capitaine Turbo, nous allons vous sortir de cette cheminée. Ça a marché. On peut partir. Oh, Ryder, on peut se déplacer tout seul. Va te réfugier loin d'ici. D'accord. Zuma, rétraction des pinces. Je suis là, Galinetta. Oh, je t'ai eu. Marcus, accroche-toi. La cloche est sur le point d'être expulsée. Il faut absolument intervenir avant que la cloche de plongée ne retombe et ne percute l'eau. Tu es prête, Stella? Prête pour un petit tour dans les airs. Notre descente en chute libre vient de ralentir considérablement. Quand vous entendez la terre gronder, il suffit de nous appeler.
son complet et parée à l'action, chef. François et le capitaine Turbo sont en danger. Ils sont sur le dos d'un tricératops qui ne veut pas s'arrêter. Cette balade doit pas être reposante. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ruff, prête pour un petit tour dans les airs. Et aussi de Rex. En route pour un dino sauvetage. Parfait, la patte patrouille part en mission. Oh, laisse-nous tranquille, oiseau de malheur. Chase, distrait l'attention du dinosaure. Ouh, lanceur de balles. Stella, vas-y, c'est le moment. L'un de vous doit s'accrocher au harnais. Tiens, vas-y en premier. Merci. Un turbo en sécurité, plus qu'à un sauver. C'est à l'heure. Oh, toutou, dino sauvage. Je vais bientôt avoir du goudron jusqu'au cou. Chien robot, positionne la grosse pince du dino patrouilleur dans la fosse. Rex, tu vas aller rassurer le tricératops. C'est compris. T'en fais pas, tu ne crains rien, on va te remonter. Accroche-toi et laisse-moi faire. Tu peux le remonter. Bravo. Rex, à toi de remonter François. Dino pince. Oh, merci, Rex. Chien robot, tu peux remonter François. Merci d'avoir mis fin à cette périlleuse promenade préhistorique, la patte patrouille. À votre service. Si vous êtes coincé sur le dos d'un tricératops, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Bonjour Fermier Hal, c'est le grand jour, vous devez être impatient. Je l'étais, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose ne prenne la fuite avec ma pomme de terre arc-en-ciel et sème la pagaille dans mon potager. Ça tombe très mal. Le spécialiste des légumes extraordinaires envoyé par l'encyclopédie va arriver dans quelques... Oh! Que se passe-t-il? Il est en avance. Mon instinct potager me dit que la journée s'annonce riche en découvertes extraordinaires. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Aucune pomme de terre n'est introuvable car mes amis, ils assurent. Toujours la garde. L'agent Chase est sur le coup. Il me semble que ça tient bien, Ruben. Maintenant, rebouche le trou. Alors, Chase, tu as une piste? Peut-être, oui. Regarde, j'ai trouvé des empreintes d'animaux. Utilise ton drone pour essayer de repérer à qui ces traces appartiennent. Et si c'est lui qui a pris la pomme de terre arc-en-ciel. Ouf, drone. Vite, suivons-le. Ils ont l'air de bien s'amuser. Comment on va récupérer la pomme de terre? On va faire diversion. Sers-toi de ton lance-balle pour leur envoyer de vraies balles rebondissantes. Ouf, lance-balle. Ça a marché! Maintenant, direction la ferme! Ah, vous aussi, vous venez voir la pomme de terre arc-en-ciel? Oui. Dites donc, vous commencez à attirer les curieux qui veulent admirer votre légume extraordinaire. Alors, où est-elle? Je n'en peux plus l'attendre. Eh bien, pour être totalement honnête, elle est... juste ici. Ça alors, c'est une merveille. En ma qualité de spécialiste, je déclare que la pomme de terre arc-en-ciel du fermier Hal fait partie des plus beaux trésors du monde végétal. Incroyable. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. C'est trop génial de jouer à cache-cache dans la jungle. Oh, attendez, on n'a toujours pas trouvé Marcus. Dans Nesta. Marcus, je t'ai trouvé. Tu n'es pas Marcus. Un pingouin? Dans la jungle, on voit pas des pingouins tous les jours. On dirait des peluches. Ouh, petit pingouin, où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Tiens, que fait ce gros bloc de glace ici? Je parie que les pingouins sont arrivés sur cet iceberg. C'est très perspicace de votre part, chers amis de la Patte Patrouille. Capitaine Turbo! Ces pingouins sont bien loin de leur immense banc de glace. On ferait mieux d'appeler Ryder. Coucou Chase, quoi de neuf? Ryder, on a trouvé 3 pingouins dans la jungle, mais ils ont disparu. Aucun pingouin n'est introuvable, car mes amis, ils assurent.
Rocky, va demander du poisson au capitaine Turbo et ramène ta catapulte. Reçu 5 sur 5, Ryder. Regardez, le capitaine Turbo m'a donné plein de poissons. Génial! Lance-les avec ta catapulte pour attirer les pingouins jusqu'au bateau du capitaine Turbo. Mira, pingüinos! C'est l'heure du repas! Merci de ramener ces pingouins chez eux, capitaine Turbo! J'ai assez de poissons pour les nourrir et je vais mettre de l'air frais dans la cale pour qu'ils soient à l'aise jusqu'à ce qu'on rejoigne le climat polaire. Vous faites du bon travail, les amis. Grâce à vous, ce terrain sera bientôt un endroit très agréable. On pourra en faire un terrain de jeu. Génial! Cet oiseau a déjà trouvé une maison ici. Bonjour, mademoiselle Marjorie. Ryder, des trous sont apparus dans tout mon jardin. On ne peut plus marcher nulle part sans tomber dans l'un d'eux. Et c'est ce qui nous est arrivé à Ménard et à moi. On arrive, mademoiselle Marjorie. Je suis très heureuse de vous voir. Où est Ménard? À côté de cet arbre. Oh oh, Ménard va être pris au piège. Rocky, sors-le de là, vite. Bonjour Ménard, un coup de patte? Accrochez-vous à l'avant de ma planche. Trop facile. Stella, déroule ton harnais pour Ruben. Bien reçu, Ryder. Ça va, tu tiens bon, Ruben? Moi, oui, mais je dirais pas la même chose pour cette maison. Elle ne tient plus que sur un très mince morceau de terre. Mais Ryder, comment vais-je faire? Je ne peux pas vivre dans une maison qui tangue. On va la déplacer. Mais où ça? À l'emplacement idéal, le vieux terrain qu'on était en train de nettoyer. Oh, ça semble parfait. Soulève-la, chien robot. Chien robot, on déménage! Doucement, doucement, tranquille! Maintenant, repose-la, chien robot! Vous avez réussi, les amis! Bravo! Les amis, on doit aider Travis à remonter dans sa nacelle et réparer la fuite de son ballon. Allez! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Ruben! Ruben, mets toujours la garde. Et de Rocky. Ruff, réparer, c'est mon domaine. Ruben, Rocky, go, go, go. La voilà, l'île de Bill le Grand Pélican. Non, Travis, attendez. Bizarre, ce rocher ne semble pas très rocheux. Je trouve que ça ressemble à des plumes. Oh, 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 oh. Accrochez-vous bien, Travis. Ryder et les autres ne vont plus tarder. Répare vite ce trou dans la toile, Rocky. Pistolet à colle. On va appliquer de la colle à séchage rapide. Maintenant, utilise ton aspirateur pour remplir le ballon d'air chaud. Aspirateur. Préparez-vous, Travis. Vous allez sauter sur mon hoverboard. Et bien vous tenir. Peut-être qu'il faut d'abord que le grand Bill se calme. Les pélicans adorent le calamar séché. C'était moins une. Surtout, lâchez pas, Travis. Je vous ramène dans votre montgolfière. Et voilà. Encore une aventure de Travis, l'explorateur couronné de succès. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un peu par accident l'île légendaire de Bill le Grand Pélican. Avec l'aide de la Patte Patrouille. Ravi de vous avoir aidé, Travis. Si vous atterrissez sur un oiseau géant, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Patte Patrouille au complet et parée à l'action, chef. La Limande s'est échouée sur le rivage de l'île Côte-Côte. Les poules qui vivent sur cette île retiennent Galinetta prisonnière sur ce trône. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est bien joué. Et de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La Patte Patrouille part en mission. Ah,
Ryder, je suis tellement soulagée de te voir. Ces poules aiment tellement Galinetta qu'elles ne veulent plus la laisser partir. Il faut réussir à détourner leur attention. Mais ces poules ne la quittent pas des yeux une seule seconde. Attendez, je crois que j'ai une idée. Chien robot, je vais te confier une livraison un peu particulière. Un dernier clou et ça devrait être bon. Merci. Vite, Rocky, ces nuages noirs me préoccupent car ils se rapprochent de la plage. Le ciel est à nouveau menaçant, Ryder. Il faut qu'on se dépêche. Ça va arriver. Ça va bientôt arriver. Éclairez la statue, les amis, maintenant! L'entorche! Stella, à toi! Ah, je te tiens! Dépêchez-vous, tous à l'alimande! Heureusement qu'on a réparé l'alimande. En avant tous! Oh, mes chers amis, comment puis-je vous remercier pour cet audacieux sauvetage? Si vous devez libérer la reine Côte-Côte, il suffit de nous appeler et on vous apportera une statue dorée. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Salut Everest, comment vas-tu? Ryder, Mademoiselle Marjorie et Ménard sont bloqués dans la bibliomobile qui dévale la route panoramique sans qu'on puisse l'arrêter. On arrive tout de suite. Aucune bibliomobile n'est trop rapide car mes amis, ils assurent. Chase, je te fais confiance pour mener à bien ta mission. Salut Ryder, qu'est-ce que je suis contente de toi. Rapproche-toi autant que possible et lance ton grappin. Grappin. T'es là! Vas-y, interviens! Ne serait-ce pas une théière qui siffle? Oh, que s'est-il passé? Mais nous roulons! Mademoiselle Marjorie, attachez-vous au harnais! Ménard! On va s'occuper de lui et de vos livres! Merci! Oh non! Je vais chercher du renfort. Rocky, Ruben, rejoignez-nous sur les lieux du sauvetage. Ryder, un train arrive à toute vitesse. Stella, serre-toi de ton crochet, il faut à tout prix l'immobiliser. Je l'ai. Pilotage automatique. Salut Ménard, allez, boucle ta ceinture. Les freins ne répondent plus. Je vais essayer le frein à main. Oh, il m'est resté dans les mains. Rocky, Ruben, j'ai besoin d'une rampe. Hé, hey, je parie que ces rails pourraient faire l'affaire. Dépêchez, le train est presque là. On a réussi. Bonjour Al, bonjour Yumi. Alors, Astrid, je te donne rendez-vous place de la mairie à 15h, d'accord? Oh, j'adorerais y aller, mais je ne peux pas. Quoi? Mais il faut que tu sois là. Je veux dire, pourquoi tu ne peux pas? Je n'ai pas de voiture et je peux pas y aller en avion. Il n'y a aucune piste d'atterrissage sur la place. Compte sur nous, Astrid. Nous t'emmènerons à ton super goûter d'Astrid. À ton super rendez-vous avec Stella. D'accord. Merci. À tout à l'heure, alors. Et soyez ponctuelle, mademoiselle. Ouah, j'en crois pas mes ailes, c'est magnifique. Oh non, nous avons oublié de lui faire un cadeau. Nous devons absolument trouver quelque chose avant que Yumi et Al ne conduisent Astrid jusqu'ici. Conduisent? Tiens, j'ai hâte d'avoir une super idée. Pourquoi tu cherches le cadeau d'Astrid sur l'île des déchets? Parce que la dernière fois que je suis venue ici, j'ai vu quelque chose qui serait parfait pour Astrid. C'était par ici. Nous pouvons lui donner un coup de neuf et le réparer à temps. Surtout si nous mettons tous la main à la pâte. Les couleurs sont sublimes, Marcus. Excellent travail, les amis. Je viens d'avoir une autre idée qui devrait plaire à Astrid. Je vais avoir besoin de ton aide, Rocky. C'est l'heure d'y aller. Je me demande pourquoi Stella m'a donné rendez-vous. Faisons vite, je ne voudrais pas être en retard pour ton goûter.
plutôt pour ton rendez-vous. Surprise! Joyeux anniversaire! Waouh! C'est pour moi? Oui, c'est de la part de la Pat Patrouille. C'est parti, Astrid! Montre-moi tes talents de pilote! C'est le plus beau cadeau d'anniversaire au monde! Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef! Les chiens sauvages ont volé la machine à mini donuts de Monsieur Porter. On doit la récupérer et la réparer. Alors pour cette mission, je vais désigner... Stella! Je suis parée au démarrage et au décollage! Et Rocky! La mécanique, c'est mon domaine! Parfait! La motopatrouille part en mission! Oh, on dirait que ça fonctionne! Oh, ils sont là, Ryder! Et la machine à mini donuts, c'est là aussi! Elle fabrique des... méga donuts! Ouh là là! C'est un donut géant! Il fonce droit sur les chiens sauvages! Vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Ça pourrait être pire. Tu vois? On doit éteindre la machine, et vite! Mais comment? On ne peut entrer qu'en passant par ce petit trou au milieu. Il faudrait faire un saut drôlement impressionnant pour passer par là. Quelqu'un a demandé un saut impressionnant? Vous savez que c'est ma spécialité. Yow! Rocky, tremplin! C'est un plongeon dans l'action! Oh, il a réussi! Bravo! On est toujours coincé ici et on ne sait pas comment sortir. Je crois que tes amis ont trouvé une solution. On est en train de creuser la sortie. Libre! Et voilà, Monsieur Porter, votre machine à mini donuts peut reprendre du service. Wouhou! Si vous avez un mini ou un maxi problème, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior.